Bonjour à tous, c'est la GP, j'espère que tout va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire avant de partir dans le village des Piaf. Donc avant déjà, on va se téléporter au village Gerudo, parce que je pense que la meuf va nous donner une arme, comme l'arme de Darunia, enfin pas Darunia, mais de Daruk. Et de quoi déjà? Et de Mipha, voilà. L'arme de Mipha. Donc, je pense qu'ici, il y a un truc. Je pense sincèrement qu'ici, il y a un truc. Oui, donc. Bel et bien le point, donc, il faut qu'on aille voir la chère Reiji. En tout cas, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Moi, ça me plaît. J'ai encore un petit peu mal à la gorge, donc c'est pour ça que ma voix est un petit peu rock. Donc, je m'en excuse. Ensuite, on va aller faire. À déposer les noix mojo. Comme ça, pour avoir de la place. Et ensuite, on partira en direction des Piaf. Si on a le temps. Si on a le temps, parce que ce qui n'est pas sûr du tout. Par contre, faut remettre la tenue de meuf là. Donc, hop. Non. Hop. Et hop. Voilà. Notre tenue de meuf. Allons, allons. Voir la petite Reiji. Je sais pas du tout ce qu'elle va le donner, mais on va voir, on va voir. Hein. On va voir tout cela. Je pense que ça va être assez sympa. Elle est là-bas, donc on y go. Bonjour. Oh, te revoilà. Je suis contente que tu ailles bien. Et vraiment contente. Naboris a retrouvé sa position initiale et l'énorme tempête de sable s'est calmée. Le grand fléau m'inquiète, mais au moins Naboris n'est plus une menace pour mon peuple. J'aimerais te remercier pour toute l'aide que tu nous as apportée. Voilà pour toi. Ces pièces d'armement sont des trésors de notre peuple. Urbosa la Grande s'en servait autrefois. Puisque vous étiez amis, je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'en faire cadeau. Ok, d'accord. Examinez. Minute. C'est les trésors de notre peuple. Le masque du tonnerre. Personne n'est autorisé à le toucher, pas même toi. Allons, Ducam, Bétera. Dis-moi, tu veux ce masque? Oui. Je vois, mais je peux pas te le donner comme ça, tout bon bienfaiteur que tu es. Cela dit, l'adversaire dont tu essaies de nous débarrasser n'est autre que l'ennemi d'Urbosa la Grande. Si tu avais besoin de ce masque, je ne suis pas contre l'idée de te le porter. Oui, s'il te plaît. De te le prêter, plutôt. Ah bien, alors tu vas devoir me montrer à quel point tu es déterminé. Ce masque est notre trésor. Tu vas donc devoir obtenir la confiance de tout mon peuple. De mon peuple plutôt. Aide-le à régler ses problèmes et fais de cette cité un havre de paix. Tu es fort, je le reconnais, mais la force seule ne suffit pas à apaiser un peuple. Ok. Au moins, on sait qu'on peut avoir ce masque. Hein. Cimetière des 7 joyaux. Ouais, plutôt cool comme arme. Bouquet des 7 joyaux. Ah, j'ai pas assez. On va donc supprimer par ça. Parce que ça pue. Ça pue. Ça pue littéralement. Le bouquet des 7 joyaux. Voilà, nickel chrome. Ah non, 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 mais moi je veux pas que tu l'équipes du tout, hein. Je veux que tu équipes ça, moi. Voilà. Ensuite, on va se téléporter. On va aller en direction du village qui est là. Village de Sankyo. Ouais, sanctuaire de Sankyo, pardon, le village des Korogus.
Parce que, pas tout simplement parce qu'il faut que je fasse un peu d'emplacement pour mes armes et mes boucliers. Mes arcs, on s'en fiche un petit peu. Parce que je pense pas que c'est super utile. Après, on peut toujours en faire, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Donc, on y go. Alors. Où est Noya déjà? Ah bah elle est là. Donc, tiens, les noix. Youpi, youpi. Si tu me donnes des noix corps rouges, ouais, bref, ta gueule. Ta gueule. Je veux celui des boucliers. Trois, allez, d'accord, vas-y. Bouclier, bouclier. Passer, voilà, passer avec ta danse de la forêt là. Tu ne sais pas trop quoi. Voilà, bref. Encore celui des boucliers, parce que voilà, on en a besoin. Voilà, passer. Ensuite, tu vas m'améliorer le compartiment des armes. 8. Ah oui, 8. Ah oui, 8 noix Korou, quand même, ça commence à faire cher quand même. Mais bon. Heureusement, on a récolté des Korogus. Donc, c'est plutôt cool. J'ai grandi le compartiment des armes. Je veux que tu fasses celui des arcs maintenant. Deux noix Korogu. Ah ouais, on n'a pas agrandi beaucoup de les emplacements des arcs. On n'a même pas, pratiquement pas. On en a agrandi qu'une seule fois les arcs. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, il reste 13. Donc, tu vas faire celui encore des armes. Parce que voilà. Parce que les armes, c'est important. C'est ce qui est utile. Pour les combats. Ta-da-da-da, voilà. J'ai agrandi le compartiment des armes. Voilà. Et je n'ai plus besoin de ton aide. Donc, on va partir en direction du. En direction, bah. Du village des Piaf qui est où le village des Piaf? Où est le village des Piaf? Alors, la mission des Piaf, non, c'est pas là du tout. C'est là, hop, hop, hop. Créature divine. Alors, l'âge des Piaf est ici. Donc, je pense que si on prend cette route, on est censé pouvoir passer par là et pouvoir passer par là. Après, je peux me gourer totalement, mais je pense que c'est faisable. En tout cas, on a fait 45 Korogu. C'est pas beaucoup, hein. 45 sur 900 Korogu, c'est peu. C'est très 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 peu. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à mon guide, on va pouvoir y arriver. Donc, on est ici. On est où là? On est où d'ailleurs là? Route. On est où? J'ai du mal à me situer là. Ah. Donc il faut partir de l'autre côté. Donc de l'autre côté c'est par là. Oui, de l'autre côté c'est par là. Donc on y go. Par contre, on va remettre notre tenue. Notre tenue qui est quand même assez stylée quand même, faut pas déconner. Voilà.
On l'a visité ce truc ou pas? Je crois qu'on l'avait déjà visité ça. Ouais. On l'avait déjà visité, je crois. Sinon, je pense qu'on serait pas passé. Oh là, 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 oh là. Toi, le gang des Ligas, tu vas te calmer. Où es-tu? Où es-tu, le gang des Ligas? Où es-tu? Où es-tu, monsieur? Voilà. Tu te calmes. Par contre, on reprend l'arme qu'elle nous a donnée parce que c'est une arme très, très, très fabuleuse. Voilà. Non, tu te gaspilles pas. Tu es où? Voilà. Tu te barres. Merci de ta compréhension. Banane lame. Rubis bleu. Y a rien d'autre? Y a rien d'autre. Donc on continue, on continue. On continue tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Je pense que c'est la route. Je pense que c'est cette route-là qu'il faut suivre. Hein. Après, peut-être que je peux me gourer, hein, encore une fois. Hein. Ça ne m'étonne pas, c'est moi. Par contre, juste une petite information, j'ai peur de ne pas avoir prise cette épée-là. Donc, on va la prendre en photo. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça non plus. Pas comme ça non plus. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Non, je ne l'avais pas prise, effectivement. Donc, heureusement que je l'ai prise. On va aussi faire attention pour voir s'il n'y a pas de Kurogu, parce que là, je n'ai pas mon guide à côté de moi, donc peut-être qu'il y a des Kurogu, peut-être ou pas, peut-être que oui. C'est possible, hein. C'est fort possible qu'il y en a ici. En tout cas, on repart à l'aventure, direction Piaf. D'ailleurs aussi, il faudrait que je, dès qu'on aura un sanctuaire, il faudrait que je me rebarre à une fontaine des fées pour me récupérer des fées. Parce qu'avec le boss de la dernière fois, il m'a mis quand même assez cher. Et du coup, c'est assez embêtant. En tout cas, on arrive à dans un endroit assez forestier, assez forestier quand même. D'ailleurs, peut-être que le souvenir n'est pas très loin d'ailleurs, parce que ça me dit quelque chose en fait. Le souvenir d'ailleurs n'est peut-être pas très loin d'ici. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est la carte, c'est ça que je veux faire. Le souvenir n'est peut-être pas super loin d'ici parce que vous voyez qu'on est là. Et ça ressemble bien, bel et bien à ici. Hein. Donc si je pars pas en bas, je peux peut-être trouver le souvenir. Je peux peut-être trouver le souvenir, les mecs. Si j'arrive à trouver une lumière. Quelque chose me dit qu'on n'est pas très loin du souvenir. Mais vraiment pas du tout. Pas du tout loin du tout. Mais bon. On va quand même visiter un peu cette forêt. Cette forêt est quand même immense, hein. Donc en fait, trouver le souvenir me paraît un peu compliqué. Si je prends l'album. Non, pas ça, l'album. Et que je fais ça. C'est censé être à côté.
À côté d'un... Ça est quand même assez bizarre quand même. Bon bref, on va se promener, peut-être que je le croiserai. Un peu bizarrement comme ça. Peut-être qu'il est peut-être même en haut le sanctuaire. Enfin le souvenir. Le souvenir, je pense qu'il n'est pas très loin d'ici. Hein. Le souvenir, je suis sûr qu'il est ici. Je suis sûr que le souvenir est ici. C'est juste qu'il faut trouver l'endroit exact. Peut-être en prenant un petit peu plus de recul, peut-être qu'on le trouvera. Mais quelque chose me dit que ce souvenir est bel et bien ici. Par contre, je vais pas du tout en direction du village des Piafs là. Ah si. Si, je vais en direction du Piaf, des Piafs. Je vais en direction des Piafs, donc c'est plutôt cool. Je sais pas du tout quand on s'arrêtera, mais ça m'a l'air d'être une bonne partie. Là, on va pas visiter parce que je pense que c'est par là qu'il faut aller vers le village des Piaf. On va quand même chercher la tour. On va quand même aller chercher la tour de cette zone. Parce que je pense que c'est assez nécessaire de chercher la tour de cette zone. Wow, c'est quoi ça? Wow. Ah! On se barre, on se barre, on se barre. Il y a danger ici. Il y a Willy réellement danger. Attendez, attendez, attendez. Je vais me dégarpir d'ici parce que je vais passer par là. Parce que peut-être que par là, c'est le sanctuaire. Non, non. Là, on se paume là. Là, on se paume, mais il y a un nid ici. Donc peut-être que c'est par là. Et pourquoi il y a un truc comme ça là? Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi cet endroit? Réellement? Ça sert à quoi cet endroit-là? Bon, je sais pas à quoi ça sert cet endroit. Faut juste faire attention à pas que je meure parce que là j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Ça commence à devenir craignos. Tout cas, le village Piaf est là-bas. Oula. On va se soigner. Parce que là, ça devient craignos. On a vraiment plus que ça comme cuisine. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Il va falloir qu'on fasse des repas dès que ça sera possible. Parce que là, c'est inquiétant. C'est très 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 inquiétant. Bon, en tout cas, la tour de cette zone, elle est où? Parce que la tour de cette zone, nous la voyons pas d'ici. La tour des Piafs est là-bas, on la voit très bien. Bon, on va descendre. On va descendre parce que mon instinct me dit qu'il faut partir par là-bas. Voilà. Je pars dans une direction farfelue. Hein. Je pense que vous l'avez tous compris. Mais peut-être que c'est ça. Hein.
C'est ça la technique peut-être. Non, 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 non. Je refuse tout cela. Je refuse qu'on combat aujourd'hui. On va attendre que le jour... Enfin, on va attendre qu'il y ait un petit endroit paisible pour qu'on puisse se poser. Et pour qu'on puisse s'arrêter là, parce que l'épisode commence à bien durer. Enfin, je sais pas à combien d'épisodes on sera, mais... Toi, tu gères et tu gères. Voilà. Un problème, le Moblin, là? Vas-y, attaque si tu veux. Alors, je trouve toujours pas la tour de cette zone. On est toujours dans la zone là. On est toujours dans cette foutue zone là. La zone là doit être. Enfin, la tour de cette zone doit être pas très loin d'ici, je pense. On va peut-être la voir en haut de cette colline. On va peut-être la voir, la tour. Et si la tour, en fait, c'est cette tour là? Non, non, pas possible. La tour de cette zone, elle est là-bas. Je pense que c'est cette tour là-bas qu'on voit. La tour des Piaf est là-bas. Donc, on va partir en direction de la tour des Piaf. Il m'a semblé avoir vu quelque chose de chelou là-bas. C'est pour ça que j'ai bugué. Mais bien bugué, hein. Bon bref, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et je vous retrouve pour l'épisode de 30... Pas du tout 30, pour l'épisode de 53. Donc, bye bye et à la prochaine.